c'est un truc comme ça en fait que je, dont je vous avais parlé. Parce qu'après c'était pour motiver les troupes, c'est ce que vous m'avez dit. Moi j'ai fait, il est sous forme de PDF, en fait il y a tout dedans. Il y a plein de photos, etc. et tout. Donc ça je l'envoie volontiers en PDF. Il y a en plus tous les, bon, les modalités de prêt, le coût de ce qu'a coûté la médiathèque, l'aménagement intérieur. Mais je voulais vraiment, il manque un an de programmation qu'on va faire. C'est pour ça que j'étais un peu, évidemment, ça m'a fait plein de super choses cette saison là. Mais c'est pas dedans. Sur le site ? Ouais. Ouais, ouais. Il est mal foutu le site. Sur le site de la mairie ? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci. De rien. C'est vrai que j'avais été invité dans les Sons aussi. Mais j'étais déjà pris sur une journée à Rennes. Comment ça se remplit ? Bah oui, parce qu'il y avait quand même des inscrits, quoi. Je vais aller voir la personne. Oui, elle a donné son nom et tout. That would be a small session for baby song and yes. For small children, wouldn't it? 16. 19. 20, 21. Flooding in now. The one thing. Christian, is it this one? Yes. Okay. Oui, j'ai vu, c'est super, merci. And then this button, each time? Oui, enter, enter. 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 Okay. Or that one. Any button, yeah. Okay, merci. 7h30. J'ai mon train à 7h30. Ouais, ça va. Oui, bah une heure et demie, ça va aller. 7h30, quoi. Donc je partirai une trois quarts d'heure avant. Oui, sur le billet, il y a le numéro du quai.
Très bien, ouais, ouais, c'est bon. Très bien. Voilà. Je sais pas c'est pourquoi j'avais oublié de prendre un. Ah non, si, j'ai le taxé la montre à pas vu. C'est pareil, il est pas forcément autorisé. Bah non. Heureusement qu'il m'avait prêté. Du coup, la dame qui est à côté de moi, elle avait rien. Elle a pris le son portable et elle m'a pas mal. Je peux vous prendre un peu la mettre entre tous les deux. I was born ready. I do lots of public speaking, but not normally to French people. I tend to assume they speak English. So I will use lots of hand movements and smile and back away slowly. I will walk slowly away. I'm going to say sorry a lot for not speaking French. Should be okay, but they're going to be so shocked by what's happening in England that they will think good things about everything else. They will go away being so proud of being French and so grateful, so thankful that they're not in England. How long does this go on for? 1 hour and 30. Oh, 1 hour 30, okay. So if I speak for 1 hour, that will give you 5 minutes each, so that's okay, yes? Ça se voit, montre pas ton plan. J'ai quelques notes. Ah ouais, voilà. C'est écrit petit. Puis si tu rajoutes des. Oui, des trucs, ouais. J'ai non. Ouais. En même temps, je vais pas tout dire. I love the fact you're all using paper. Yes. Un, deux. Comment est le son? Pour nous, c'est très sourd. Vous entendez comment? Ça va? Voilà. Voilà. Comme les musiciens sont là-bas, ici, on n'a pas de retour. Donc, vous ne trouvez pas que ça serait plus intime si ceux du fond venaient remplir les rangs devant? Il n'y a aucune obligation, hein, c'est juste que ça sera plus sympathique. Il y a comme un fossé, je ne voudrais pas dire une fracture entre nous. Voilà, donc personne... Oh là ! Personne ne s'est trompé de salle, vous venez... pour parler avec nous du bénévolat. Ok. Voilà, encore une minute, le temps que chacun s'installe, trouve sa place.
Oh. Habituellement, il faut se coller. Bien. Je vous propose de vous asseoir. Merci. Bien, nous sommes ensemble jusqu'à 18h et quelques minutes sans doute. J'espère qu'il n'y aura pas trop de perturbations sonores venant de l'extérieur de notre salle. Je vais vous tenir quelques propos liminaires pour planter le décor, définir le cadre de nos échanges, présenter nos invités et faire un petit rappel sur le thématique. J'ai l'impression que c'est très très fort pour vous. Non ? Vous n'entendez pas du tout ? Et comme ça, oh là ! Bon, moi j'ai l'impression que c'était énorme. Bon, cette table ronde s'inscrit dans la thématique générale du congrès, ça c'est pas une surprise, c'est à travers le sous-ensemble des frontières du métier. Et quand on interroge la question ou la notion de frontière, on doit se préoccuper du dedans et du dehors. Et je pense que nos invités vous éclairciront sur ces questionnements aussi. La question de l'entre-soi et de l'altérité. Les bénévoles, les professionnels, comment on peut composer avec ces deux entités ? On se pose la question, donc, le dedans, le dehors, c'est aussi la perméabilité ou la fermeture, ou un entre-deux. C'est derrière tout ça des questions d'identité, de territoire géographique, mais ô combien aussi des territoires symboliques. C'est une liste pas du tout à la Prévert, ça épuise pas du tout le sujet. Je pense que le sujet, on va plus tenter de l'épuiser avec vous sur la base des interventions prévues. Aujourd'hui, on va se contenter de poser quelques balises, on ne va pas traiter la question du bénévolat dans toute sa complexité, on va s'appuyer sur des expériences vécues, et vous verrez que la première qu'on a choisi de présenter est du vécu assez dramatique, mais avec également des visions peut-être optimistes à avoir sur certains aspects. Le questionnement, je le résumerai en une phrase, quelle place pour le bénévolat dans les bibliothèques, mais je voudrais aussi préciser qu'on essaiera d'éviter des écueils ou des procès d'intention. La question du bénévolat n'est pas toujours un sujet indemne des polémiques. Je vous propose trois axes autour desquels on pourra articuler nos échanges. C'est celui de la concurrence, réelle ou supposée, celui de la légitimité des bénévoles dans le monde des bibliothèques, et celui de la compétence. Et vous comprenez tout de suite que ces trois approches sont intimement liées. Mais pour l'aborder sereinement et objectivement, on va observer le réel et on ne va pas partir d'une vision théorique de la place du bénévolat, mais plutôt comment concrètement, réellement, ça s'organise dans une grande partie de notre monde professionnel. On va voir un peu ça à travers l'organisation des services. On va s'appuyer sur des faits que nos invités, qui vont faire une sorte d'éloge du bénévolat, sinon je pense qu'ils ne seraient pas là. On ne va pas en ignorer les limites et on va effectivement poser la question de la complémentarité plutôt avec les professionnels du secteur. Alors sur la concurrence, j'ai pensé que notre premier invité, Yann Anstis, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, d'une part parce qu'il a un blog qui est... Non, l'adresse n'est pas là, mais bon, il vous l'expliquera, il a un blog très, très actif. Et il était invité l'année dernière au congrès de l'ABF, dont le thème était la fabrique du citoyen, mais avec un angle aussi des sous-ensembles, dont celui des bibliothèques face à la crise. Et donc, l'année dernière, Yann nous a parlé de la crise des bibliothèques en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni particulièrement, et cette année, il va aborder la question sous un autre angle, c'est une autre façon de réagir à la crise à travers l'usage, le bon usage du bénévolat.
Dans le cadre anglais, la question de la légitimité ne se pose pas, c'est la question de l'efficacité qui s'est posée, comment préserver les bibliothèques, comment continuer à ouvrir des bibliothèques dans un contexte budgétaire plus que contraint. On va peut-être se trouver pas si mal que ça par rapport aux exemples qu'il va nous donner. Par rapport à cette question de concurrence, on peut voir qu'en Angleterre, ça ne se pose pas du tout en concurrence avec l'emploi, quand l'emploi a déjà été détruit par les décisions des gouvernements, des gouvernements locaux ou des gouvernements nationaux. Et donc, quand il n'y a plus d'emploi, le bénévole n'est plus un concurrent à l'emploi. Sur la légitimité, depuis quelques années, l'ouverture du champ statistique, l'enquête annuelle du SLL, a été ouverte très largement au réseau des BDP. Et on est passé, dans quelques années, 3 ou 4 années, de 2 ou 3 000 bibliothèques recensées en France à près de 10 000. Et le processus n'est pas totalement terminé, puisque quelques départements doivent encore intégrer ce dispositif. Et il s'avère, à travers cet outil statistique, dont les résultats sont accessibles en ligne sur l'Observatoire de la lecture du ministère, que les statistiques sur les agents actifs dans le réseau des bibliothèques qui se comptait en milliers d'emplois, en fait, se compte maintenant en dizaines de milliers d'agents. Et donc la question du bénévolat est tout sauf marginale, et que ça ne concerne bien évidemment pas que les BDP, puisque les BDP ne sont pas que ça, mais sont en grande partie des coordinateurs de réseaux de bibliothèques municipales ou intercommunales. Voilà, donc cette vision statistique nous a démultiplié le nombre de contacts avec le livre, la documentation, sous toutes ses formes. Ça a rendu visible ce travail de terrain, et donc c'est Pierre-Yves Richard qui va plutôt illustrer cet aspect-là à travers son témoignage de directeur de bibliothèque départementale de la Sarthe. Maine-et-Loire, non, la Sarthe, je sors de l'autre... le troisième aspect sur la compétence, c'est plutôt à travers l'expérience donc de Gilles Dascario, qui est salarié, mais qui a invité Corinne Chanvy, qui est bénévole, et donc ils vont avoir une intervention à deux voix sur la diversité, la complémentarité des compétences mobilisées. Et surtout, je crois, ce qui est important, c'est de se décentrer, pour ceux qui étaient dans la table ronde précédente, de se décentrer de la compétence bibliothèque, bibliothéconomique, et voir l'ensemble des compétences requises ou révélées par l'apport du bénévolat. Le métier de bibliothécaire ne disparaît pas, il ne se dilue pas non plus, il se nourrit et s'enrichit des apports de ces centaines de milliers de militants, d'usagers, de professionnels, de retraités. Certains sont plus actifs que d'autres, certains sont inscrits dans des registres, tiennent des permanences, d'autres ont des apports plus ponctuels, mais ça se chiffre effectivement dans cet ordre de grandeur. L'action et l'utilité sociale des bibliothèques ne peut qu'en sortir renforcée et légitimée, des bibliothèques évidemment et des bibliothécaires. Ces légitimités croisées seront sans doute indispensables pour aborder les nouvelles étapes des réformes territoriales en cours. C'est une question que nous ne traiterons pas dans cette table ronde, mais que tout le monde a présent à l'esprit. Et je crois que l'articulation salarié-bénévole dans les bibliothèques et la légitimité de ce couple-là peut être pour nous une grande force pour accréditer l'utilité, voire l'aspect indispensable dans la vie sociale locale du lien que crée une bibliothèque sur un territoire. Vos questions et réactions, propositions sont les bienvenues, et on ne va pas les bloquer pour la fin, en particulier parce que Yann est francophile mais pas francophone. J'ai essayé de traduire le plus fidèlement possible son PowerPoint, qui lui est donc en français, un français qui parfois vous paraîtra peut-être pas très français, tout simplement parce que j'étais pas sûr toujours que toutes les formules étaient exactement telles qu'il les avait formulées dans sa langue. Voilà, donc il sait qu'il doit parler lentement, et pour vous ça sera, en tout cas pour tous ceux qui par exemple souhaitent aller à l'IFLA cet été à Lyon, un bon entraînement
pour se réhabituer à entendre un anglais natif. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dès la fin de chaque intervention. Et nous avons donc une heure et demie pour faire le tour de ce sujet. Yann, it's up to you. Okay. Bonjour. I can speak really loudly. Je suis désolé, je parle français un petit peu. Je suis anglais, je suis très désolé. So I'm speaking about volunteers, bénévolat in Wayamumi in the UK. It is very different to France. In France, volunteers are additional. They are added on to paid library staff. In UK, volunteers are replacing paid library staff. So less librarians, bibliothécaire down, bénévolat up. Okay. So I will be trying to show you the massive impact dramatique of budget cuts, reductions in money on paid staff. But at the same time, I'm going to be trying to show you the good and the bad about volunteer libraries. It is quite emotional in England because people are losing their jobs because of volunteers. But on the other hand, volunteer libraries are actually very good and do a lot of good work. So there is the good and the bad about volunteer libraries, and that needs to be known about. But it is very different to for Bibliothèque Française because it is replacing paid staff and not additional to paid staff. So, reduction spectaculaire. 30% cut in budget. 30, okay, not 13, 30. That is in 3 years, so in 3 years, 30% cut. Wow, amazing, massive. Ah, okay. We have in 1 year, 2012-13, 7% of paid staff bye-bye, okay? 7%, 1 in 20, more than that, left paid employment. So massive numbers of people leaving public libraries. In London, just in London, 346 paid library staff have gone up to last year, have left since last year. This year, more have gone. So at least 450 staff have gone from London libraries since 2010, okay? Major, dramatic impact. And we are not expecting this to end. We are expecting cuts to continue until 2020. So this is a continuous reduction in library staff, in library budget in England. Now, we want to keep libraries open even though money is going down. So one of the only ways we can do this is with volunteers. So there has been, in 1 year, 2012-13, a 44% increase in volunteers, okay? Massive increase. Big cut in paid staff, big increase in volunteers. It used to be 1%, just 1% of libraries in England were volunteers. Now it's 12%, and that's in 3 years, okay? 3 years, 12 times as many. And we think there are no official figures, but we think about 400 libraries are now run by volunteers in the UK. There used to be about 10, 15, now 400, okay?
Volunteer libraries are divided into two. There is community managed, gestion participative, which is the council's support for volunteers, so the council's pay for the library, and the volunteers run for library, work in the library, professionally supported. So for library has everything paid for it, or most things paid for it, apart from the volunteers. So in Warwickshire, 12 out of 32 are this way. In Leicestershire, 36 out of 52 will be this way. Now, that was 36 libraries that had paid staff in them before. So goodbye, paid staff. Hello, volunteers in Leicestershire. Then we have other libraries which have no council involvement, no government involvement whatsoever. It is 100% volunteer. And those libraries started because the council closed for library, or the council said, we are closing for library. So the local people said, no, we do not want you to close for library. We will do your work for free for you, and we will keep for library open. And that is a lot of libraries, okay? They are often spontaneously created, but they can also be very good. Little Chalfont Library, excellent library. Lots going on. More going on in Little Chalfont now than when it was paid staff. I do not want to say this, okay? I am a paid librarian, but this library is better now than when it had paid staff, okay? The important thing to remember with volunteer libraries is they're there to keep the library open. The option was the library would close because we have no money in England. So the volunteers are opening a library. And the idea there is if money comes back again, then paid staff can go back in the library. But if a library closes, it closes for good, forever. So if volunteers run for library now, at least the library is there for the future, okay? No volunteers, no library ever. Very depressing, I'm sorry. So why volunteers? Why? Well, the Minister for Libraries, the government loves volunteers in England. They're saying all the volunteers I come across are running libraries far more cheaply and than for local government, local authority was doing it, okay? So volunteer libraries are cheap. There's not much cost to them. You can have no paid staff. You can have local knowledge. So these are local people using local library, providing local services. They are energetic. They're, woohoo, I love my library. And they do lots of stuff in the library. They have lots of innovation. There is some really good work. There is cinema. There is computers. There are 3D printers. There are maker spaces in these places. They are actually ahead of paid libraries a lot of the time in what they're doing in their small areas. And often, when paid library staff leave because they have been sacked, because they have been made redundant, they then come back as volunteers. Okay? Yes. So, I lose my job, and then I come back next month unpaid to use the library. We do not like this. Those of us who are paid do not like this, but it's what's happening. Okay. So, and local people do not like this as well. They think it is blackmail. They're saying, well, look, I don't want my library closed, so I will keep it open, but I am not happy about it. So we are holding a gun, or the council is holding a gun to some volunteers' heads, saying, if you want your library, you keep it open yourselves. Against. It's an exploitation. The volunteer is exploited. They have to keep the library open themselves. They have no choice.
you have no professional skills, or you have people who are old, who are retired, doing a professional skills. We are not sure how long they will last for. We don't know. This is all an experiment. We have to do this. We have no choice. We do not know how successful they will be in year 3 or year 4 or year 10. No idea. We think they will work, but we don't know. Instead of 151 library authorities, 151, there can be hundreds and hundreds, thousands of different library services because each library is separate, all right, if won by volunteers. Professional skills go, and also volunteers tend to work best in the areas with money. If the area is bourgeois, if it's a middle-class area, you have volunteers. If it is a poor area, less volunteers. Okay, so challenge fair. And if you have one volunteer in a library, next year less money, so 2 volunteer libraries. Next year, 4. So it increases. We think about 10 volunteers replace 1 paid member of staff, okay? So that is a problem for management. Because how do you manage so many staff if you have 10 times more staff and they are only in there for 4 hours per week, rather than 37 hours a week? That is a challenge for us, okay. I hope you understand this, but this is a period of massive change in English libraries. We are having to go with volunteer libraries. We have no choice. They are very good. Some are very good. Some are very bad. There is more and more each year, but it is not the same in France, okay? Your libraries in France, I think, are different because they are additional. Your volunteers are working to help library staff. In England, the volunteers are increasingly there to replace library staff. It's very different. Thank you very much for listening to me in English. I am very sorry for my lack of French. I do work as a paid librarian. I also do a whole pile of stuff on a website. And thank you very much for listening to me. And when you look at England, be afraid, okay? This is a possible future for you. It is not the future. If you work hard, if you push your libraries and you keep public support and you keep government support, then it is not a future that will happen. But if it does, we have got here first. Ask us and we will tell you what to do and what not to do. Thank you very much. Merci. Thank you, Yann. Il doit y avoir un micro, voilà, qui circule. Quelqu'un veut-il intervenir? Poser une question, demander des précisions? Je ne sais pas parler, je le micro. Brigitte Destruel. Je voulais l'adresse du blog. Oh, for the address, for the website. If it's possible. www.publiclibrariesnews.com. com. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Public Library News. Bonjour, Laurent Lemaître, ABF Nord. En fait, je n'ai pas bien compris qui formait les bénévoles en Angleterre. Who is training the volunteers? Is there someone to train the volunteers? C'est ça le problème, en fait. I understand in France that you have trained members of staff and you have done well. We do train library assistants. So, yes, we do.
It is sometimes for council, sometimes for library service that trains, but sometimes they have no training, okay? It is, they are keeping the library open by themselves and they're doing the best they can. I have one question. What's the position of the Professional Library Association? No taboo. CILIP is the Professional Library Association. For membership of CILIP have voted against supporting volunteer libraries because we do not want to lose our jobs. But more and more people are, because we have no choice, we have to go with volunteer libraries. So CILIP is sort of against volunteers, but not really, especially as a lot of senior members of CILIP are also chief librarians. So they're the ones that are having to cut for service and having to find the answer. And often the only answer available is volunteers. If you're having a cut of 30%, what is the alternative? So they are officially against volunteers, but in practice, not so much. Okay. Devant. En France, les bénévoles sont surtout dans, Viviane Olivier, Bibliothèque de la Creuse. En France, les bénévoles sont surtout dans les petites communes. À partir de quel nombre d'habitants, est-ce qu'il peut dire par rapport au nombre d'habitants? I translate. In French, the volunteers are almost in the small, really small country. Is there a frontier between the scale? Yes. Volunteers are mostly in small libraries. So a library of serving a town of 5,000, 10,000, 15,000, 30,000. But in a big city, no. For a big central library, Birmingham, Liverpool is paid staff. But for smaller for library, the more likely it is that it will be volunteers. And the size of the library with volunteers is going up. So it started with 5,000 people, then 10, then 15, and now the largest I am aware of is 30,000. Okay, so going up. Pardon, quelqu'un veut une traduction? Oui, c'est-à-dire que on n'a pas la même échelle, ce que nous appelons petite collectivité, en France, c'est entre 10 et 15 000. Hein, c'est à peu près la frontière sur laquelle interviennent les bibliothèques départementales. Bon, même si elle n'est plus officielle, hein, certains vont jusqu'à 15 000 ou ont des partenariats avec des plus grosses. Quand il parle de petites villes, il va jusqu'à 50 000 habitants. Et donc, le bénévolat ne touche plus seulement l'équivalent de nos réseaux ruraux et de petites villes, mais touche également des villes qui, chez nous, sont des villes moyennes. Et ça va même jusqu'à certaines agglomérations de 300 000 habitants. Et le secteur dans lequel il travaille, effectivement, c'est un secteur qui commence à être quasiment dépeuplé du côté des professionnels. Voilà. Et je crois qu'il y a un point qui est très important. I repeat it in English. You say the volunteers are a way to not to close definitively the librarians. It's not a choice. It's not a target. It's just a choice to be able to open them when the People love libraries. People who use libraries love libraries. It's fair, okay. So if they have no choice,
if a library is closing, otherwise they will work to keep it open. Now, it is up to the council how they do that. Okay, some councils do not like volunteers and will work against volunteers. Other councils love volunteers and will support volunteers. And so in some towns, very good support for volunteers by councils. In other towns, no, we do not like volunteers. One town good, another town bad. It's different. But generally, over time, more and more are pro-volunteer, because the volunteer libraries are actually doing well. They are très bon. Their usage is up. They keep the library open. So the good example of one volunteer library means 5 more volunteer libraries for next year, 10 more for year after. Okay. And so from being against volunteer libraries, in England generally people are being pro volunteer libraries over 4 years. Okay. Une dernière question. Oui, Catherine Dupuy, médiathèque d'Antony. Je voulais savoir si le recours aux volontaires s'était traduit par une baisse des services comme les horaires d'ouverture ou les animations, ou est-ce qu'on arrive quand même parfois à maintenir ce même niveau d'animation et de service? Oui. Does the volunteers keep the same quality of services and the same hours? Sometimes yes, sometimes more. So sometimes opening hours are longer, are greater. Sometimes less. It depends. Each library is different. Some paid libraries were terrible, okay, were not good. People came in, did the job, did not like doing the job, go home. With volunteer libraries, people like doing it. They enjoy doing it. So enthusiasm, lots of ideas. But this is year one or year two of volunteer libraries. We do not know how long that enthusiasm will stay for. It is an experiment. Thank you. Je pense qu'on va passer la parole à Pierre-Yves Renard. Vous avez tous repéré Yann, il reste encore parmi nous, donc après, ceux qui veulent lui poser des questions en direct, c'est plus facile d'avoir des échanges en conversation en anglais quand on n'est pas en assemblée plénière. Pierre-Yves. Merci. Donc après l'enfer anglais qui nous est peut-être promis, on va retourner dans le paradis français, ou le paradoxe français. Donc Christian, tu avais placé mon intervention entre autres sous le signe de la légitimité. Donc effectivement, ça va être un sujet important, en particulier dans la relation entre les BDP et les bénévoles. Alors je voudrais faire 2 remarques liminaires de façon à ce que la suite de mon propos soit bien interprétée. D'abord, aujourd'hui, si la lecture publique fonctionne dans le Maine-et-Loire, c'est principalement, majoritairement et absolument grâce aux bénévoles. Donc si dans la suite de mon développement, je parle des frictions, des choses qui ne vont pas bien ou des problèmes, c'est parce que quand ça va bien et qu'on se comprend, on n'a pas grand-chose à dire. Donc voilà, pas de malentendu là-dessus. Le deuxième point, c'est que moi, je suis un petit peu nouveau venu dans la lecture publique et dans les BDP. Depuis 3 ans seulement. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est mon expérience en Maine-et-Loire, qui est un exemple, mais qui n'est en aucun cas un modèle. Voilà.
Donc je voudrais d'abord faire un petit panorama sur le bénévolat dans les bibliothèques en Maine-et-Loire et voir comment moi je ressens que ça se passe au jour le jour à la BDP et la relation entre les bénévoles et la BDP. Puis dans un deuxième temps, pour compliquer les choses, introduire la dimension institutionnelle, comment ça se passe entre les bénévoles et la BDP lorsqu'on introduit quelque chose comme un plan de développement de la lecture ou quelle que soit la façon dont on l'appelle. Et enfin, quelles évolutions pour les bénévoles on peut percevoir, mais quelles évolutions pour les BDP aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les bénévoles qui changent, s'ils doivent changer. Voilà. Alors, le bénévolat en Maine-et-Loire, ce sont, aux derniers chiffres que l'on a, environ 2900 bénévoles recensés en 2012 dans 216 bibliothèques conventionnées, donc avec lesquelles on a signé avec les communes, on a signé avec 230 communes, on a des données pour 216 bibliothèques, donc 2900 bénévoles. J'ai l'habitude de dire qu'il y a peut-être 900 bénévoles qui viennent vraiment très peu fréquemment. Enfin bon, ça pourrait faire 2000 quand même, ce qui est beaucoup. Voilà. Si on regarde un petit peu selon les tranches de population, on a environ 7 bénévoles dans les bibliothèques de communes de moins de 500 habitants. Et puis ça monte un peu, 11 bénévoles dans les communes de 500 à 1000 habitants. Jusqu'à 17 bénévoles en moyenne dans les communes de 2000 à 5000 habitants. Et au-dessus de 5000 habitants, il n'y a pas beaucoup de communes dans le Maine-et-Loire de plus de 5000 habitants. Et il y a environ une commune sur deux où il y a des bénévoles. Bon, selon les situations, soit il y avait des bénévoles d'abord, puis on a professionnalisé et payé l'équipe, soit il n'y en a jamais eu. Voilà. Il y a environ 350 communes à desservir, si ce terme a encore un sens, et donc on a environ 230 communes conventionnées et une autre vingtaine qu'on suit sans avoir signé vraiment un contrat avec elles. Voilà. Donc voilà un peu le paysage, donc un bénévolat très présent, un bénévolat plutôt âgé, un bénévolat plutôt féminin, un bénévolat qui se renouvelle pas beaucoup. Bon, je pense que c'est un constat qu'on fait un petit peu partout. Là encore, c'est pas général, il y a des exceptions, mais c'est quand même le trait principal. Alors comment ça se passe au jour le jour avec la BDP? Moi, je dirais, s'il y a une incompréhension, il n'y a pas toujours d'incompréhension, mais s'il y a une incompréhension initiale, elle porte sur le fait que... Moi, je dis souvent, la BDP n'est pas là pour rendre service, elle est là pour rendre un service. Et de fait, nous, on est plutôt côté BDP dans la structuration, dans l'explicitation, dans l'organisation, et on a en face de nous souvent des bénévoles qui sont plutôt dans la recherche d'un accommodement ou d'un arrangement ou de quelque chose de peut-être moins formel. Alors typiquement, comment traduire ça ? Vous connaissez ça, on a un appel pour changer une date de tournée de bibliobus parce que la date ne nous arrange pas. Voilà. Et nous, en face, on répond quel est le cas de force majeure, quel est le problème, est-ce que ce n'est pas accessible? Non, c'est juste que ça ne nous arrange pas. Donc voilà, c'est juste pour traduire le fait qu'on a, voilà, on n'arrive pas sur la question de la lecture publique et du fonctionnement de la bibliothèque avec le même a priori. Voilà. Ça recoupe évidemment la séparation, la tension entre professionnels et bénévoles. Ça recoupe, on entend souvent, on n'est que bénévole, bien sûr. Ça recoupe la distinction entre payé, pas payé, bien sûr. Alors évidemment, on entend souvent ça. On est que des bénévoles. C'est vrai. Moi, je réponds souvent vous êtes bénévole, mais vous êtes volontaire. Hein. On voit le mot anglais est intéressant pour ça. Bénévole, voilà, il y a un côté où c'est quelqu'un qui veut bien, et puis si ça lui convient plus, il s'en va. Quoi. Volontaire, c'est quelqu'un qui est venu en sachant pertinemment de quoi il s'agit et de quoi il retourne. Donc là, le sens des mots est un peu différent. Et puis ce qu'on dit aussi, mais bon là vous le savez tous aussi, c'est que l'activité des bénévoles dans la bibliothèque, elle repose sur la mobilisation de moyens publics et d'argent public. Donc forcément à un moment, il faut qu'il y ait une sorte de contractualisation entre la BDP pour ce qui nous concerne et les équipes de bénévoles. Voilà. Alors voilà ce que je disais, c'est que je fais un constat, hein. Moi je le prends comme ça, je critique pas du tout, je fonctionne avec ça au jour le jour. Quelles solutions on peut trouver justement pour essayer de réduire cette distance ?
J'essaierai de donner des petites solutions qu'on met en œuvre ou pas en Maine-et-Loire, selon qu'on a le temps, les moyens ou pas. Moi, j'essaie vraiment, et peut-être avec les travaux qu'on va avoir au bâtiment central de la BDP, on va essayer d'être encore plus là-dedans. Moi, je voudrais vraiment que la BDP devienne la maison commune des bibliothécaires du département, et donc en particulier la maison commune des bénévoles, avec un espace qui soit vraiment réservé aux formations, aux découvertes de nos outils, faire un petit salon numérique, pouvoir se rencontrer, avoir un fonds professionnel. On en a un aujourd'hui, mais il n'est pas valorisé. Voilà. Que les bénévoles se sentent chez eux à la BDP pour essayer de réduire un petit peu cette tension, cette distance que j'ai pu évoquer. Voilà, donc nous ouvrir, nous aussi, en tant que BDP, et trouver des points de contact différents de la tournée de Bibliobus ou des réunions où on ne se dit pas toujours des choses agréables, etc. quoi. Donc voilà, là c'est pour l'aspect, disons, relation au jour le jour. Alors si vous ajoutez en plus une dimension institutionnelle comme un plan de développement de la lecture où le conseil général a voté quelque chose et où vous, bibliothèque départementale, vous arrivez avec la volonté et l'ordre de mettre en œuvre ce plan, là vous avez une dimension supplémentaire et plus compliquée de la relation avec les bénévoles. Vous arrivez avec des consignes. Pour le dire très clairement, en Maine-et-Loire, on a appelé ça le nouveau conventionnement, c'est-à-dire qu'on est allé vers les communes en leur disant « si vous voulez continuer à fonctionner avec nous, il faut que votre bibliothèque soit une vraie bibliothèque, entre guillemets, avec tant d'heures d'ouverture, tant de bénévoles, un budget d'acquisition, un local digne de ce nom, etc. » Donc forcément, ça passe pas forcément très bien avec les bénévoles. D'autant que là, j'introduis aussi un troisième acteur, que sont les élus, les maires ou les adjoints chargés de la culture, parce que c'est jamais un dialogue bilatéral avec les bénévoles d'un côté et la BDP de l'autre. Il y a bien évidemment les élus. Et alors là, ça se complique parce qu'on a parfois des élus qui sont ambitieux, mais des bénévoles qui sont plus sur la réserve, tant qu'il s'agit de développer une bibliothèque ou la lecture publique. On a l'inverse aussi, des bénévoles ambitieux et des élus plutôt réticents. Alors les bénévoles passent par la BDP pour essayer d'influencer les élus. Puis alors ça se complique encore parce que les bénévoles sont souvent élus eux-mêmes. Donc voilà, vous imaginez le bazar. Donc voilà, dans le dialogue... Alors là aussi, je pointe quelque chose voilà, pour dire ce qui est compliqué. Dans le dialogue avec les élus, ce qui revient souvent quand on arrive en disant monter un réseau intercommunal, informatiser la bibliothèque, etc., ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais vous allez effrayer les bénévoles. » Voilà. Donc en fait, le point, c'est le fait de ne pas effrayer les bénévoles et qu'ils ne s'enfuient pas est plus important que développer quelque chose, une bibliothèque ou une politique de lecture publique. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un problème. Donc bon, on discute, hein, bien sûr, on s'arrête pas là, mais ça peut être compliqué. Il n'y a pas de solution. Là, j'ai dit que je donnerais des solutions. Elle est dans la concertation. Hein, voilà, ça prend du temps. Je pense que le temps que ça prend de travailler ensemble ou de faire avancer des projets, nos collègues ensuite pourront développer cet aspect-là. Mais c'est évidemment beaucoup de temps passé. Là où ça se complique encore plus, c'est quand vous ajoutez l'échelon intercommunal, qui est de plus en plus présent. Puisque voilà, tout le monde s'occupe de lecture publique et il n'est pas sûr que les réformes à venir simplifieront le millefeuille de ce point de vue-là. En tout cas, on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Là où c'est compliqué, c'est que vous avez du personnel intercommunal qui intervient. Alors, c'est aussi une grande chance, mais j'ai dit que j'insistais sur les points de difficulté. On rejoint un peu une organisation, mais avec des échelles différentes. On rejoint une organisation qu'a pu évoquer Yann, à savoir qu'on a du personnel intercommunal qui chapeaute finalement des équipes de bénévoles qui sont réparties dans 10-12 bibliothèques. Donc comment on fait fonctionner ça? C'est pas évident. Je vais prendre un exemple. Récemment, on a contribué au montage d'un réseau intercommunal sur une communauté de communes dans le Maine-et-Loire. Et au départ... Et je le dis d'autant plus simplement qu'ils me l'ont expliqué comme ça, on a eu cet échange-là, les bénévoles disaient « bon, on a besoin de quelqu'un pour nous aider ».
Voilà, c'était le point de départ, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Donc nous, avec la communauté de communes, avec les élus, au cours de différentes réunions dans différentes configurations, on est arrivé à faire reformuler les choses, en particulier aux bénévoles, pour qu'ils nous disent un peu quel était leur projet et qu'ils soient conformes avec ce que les élus attendaient et au bénéfice de la population au final, quoi. Donc voilà, on a pu retourner les choses et ils ont pu écrire un vrai projet. Et la conclusion du projet, et non pas le point de départ, c'était il nous faut des professionnels, ou du moins un professionnel, pour monter ça, pour informatiser, pour mettre en place une gestion partagée des collections, pour nous aider à mettre en œuvre des animations communes. Donc voilà, on a réussi à inverser les choses. Donc c'est une façon d'avancer aussi. Là aussi, ce à quoi il faut faire très attention, à mon avis, c'est... vraiment beaucoup formaliser les choses. Moi, j'ai vu beaucoup dans le département, je vais le dire de façon un peu crûment, des bibliothécaires intercommunaux qui ont été lâchés sur une mission sans que les choses aient été vraiment très bien formalisées au niveau de leur mission et au niveau des responsabilités et au niveau de l'autorité qu'ils pouvaient avoir sur les bénévoles sur certains sujets. Et au bout du compte, ils servent de pompiers de service. Ils aident les bénévoles et ils n'organisent pas vraiment le réseau. Donc vraiment maintenant, quand j'arrive, je dis vous formalisez avant même que la personne dans la fiche de poste, dans les échanges avec les bénévoles, qui est responsable de quoi ? Est-ce que le bibliothécaire intercommunal peut arriver et dire le plan de classement, l'organisation, etc. Tout ça, est-ce qu'il a l'autorité pour en parler et pour faire changer les choses ou pas ? Parce que effectivement, quand on se pose ces questions-là après quelques années de fonctionnement, c'est souvent, c'est jamais trop tard, mais c'est beaucoup plus compliqué d'y revenir. Donc voilà, on a petit à petit empilé des complexités, mais comme vous voyez, il y a quand même des solutions. Alors comment, je pense que dans chacune des tables rondes, on aura dit que les bibliothèques changeaient, que le monde changeait, que les bibliothécaires changeaient. Donc en fait, on se donne un peu l'impression d'essayer de monter avec des rollers sur une planche à roulettes, quoi. C'est extrêmement instable. Donc comment on aide en tant que BDP les bénévoles à évoluer et comment nous aussi, BDP, nous évoluons pour gérer ces modifications? J'ai pas de solution miracle et puis j'en parle d'autant plus simplement que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas encore mis tout en œuvre dans le département sur ces questions-là. Il y a bien évidemment le volet formation qui est très important. Alors là encore, on est dans un millefeuille. On a des centres régionaux du livre et de la lecture qui se positionnent sur la formation. Nous faisons de la formation. Il y a les organes de formation des professionnels. Est-ce qu'il faut que nous nous concentrions uniquement sur la formation des bénévoles? Peut-être, mais j'ai pas de réponse. On a des demandes aussi des professionnels du département pour continuer à avoir une formation de proximité à leur bénéfice, mais sachant que c'est pas le même public, c'est pas les mêmes attentes, et nous, les budgets pour faire de la formation n'augmentent pas non plus, donc il y a des choix à faire. Alors partons du principe qu'on forme les bénévoles. Là aussi, on sait ce qu'il faut faire pour remplir les formations. La lecture à voix haute, ça marche très bien. Tout ce qui est autour des techniques d'animation, ça marche très bien. Et puis quand on veut les faire venir sur un temps fort autour des musiques actuelles, bah, on a moins de monde, on a très peu de bénévoles. Quand on veut travailler sur les jeux vidéo, on a très peu de bénévoles. C'est mon expérience perso, ça se passe peut-être ailleurs. Et puis on n'a peut-être pas trouvé les bons moyens de les mobiliser. Donc voilà, là aussi on est, comme pour les collections, on est tendu entre l'offre et la demande, et j'ai pas de solution miracle en la matière, mais on continue, disons qu'on continue à essayer de pousser des, et en tout cas on structure, quoi. On est moins dans des propositions de formation sur tel style littéraire ou tel volet. On essaie toujours dans le programme de formation, oui, on vous forme aux œuvres et aux artistes, par exemple, mais c'est pour mieux pouvoir réinvestir ça dans votre bibliothèque pour que vous puissiez le redistribuer à vos lecteurs. Donc bon, la formation, bien évidemment. Et puis développer de nouvelles missions, une mission communication qui devrait s'orienter plus vers, à mon avis, du partage de bonnes pratiques. Les bibliothèques sont de plus en plus des lieux de, et on l'encourage, des lieux de création, des lieux de production. Donc comment faire qu'on ne soit pas seulement dans une logique de communication de top-down, de haut vers le bas, mais que ça nous permette de faire remonter aussi les productions et la vie des bibliothèques dans notre système. Aujourd'hui, nous, on dépend d'un portail
Internet qui est commun à la culture et au patrimoine et qui est très top-down, quoi, qui n'est pas du tout Web 2.0. Donc on a du mal encore à trouver des outils pour faire remonter cette vie des bibliothèques. Là, je parlais de la BDP comme, comme de la maison des bibliothécaires et des bénévoles. Il faut qu'on arrive à faire ça en ligne aussi pour les mobiliser. Alors on ne touchera pas tout le monde, on ne touchera pas tous les bénévoles, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Il y a des choses qui me trottent dans la tête, comme faire des campagnes de recrutement de bénévoles, des campagnes de publicité où on montre ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui. Quand j'en ai l'occasion, quand on va en réunion dans les bibliothèques, je leur dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour, ce sont surtout des femmes, bien sûr, il y a de la place pour vos maris, vos enfants, vos filles, etc., qui bidouillent sur Internet, qui font des blogs. Ils peuvent être bénévoles en bibliothèque, quoi. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que vous qui êtes plutôt sur des missions traditionnelles de bibliothèque qui pouvez apporter vos compétences aux bibliothèques. Voilà les messages qu'on peut continuer à passer. Et puis travailler sur l'image même des bibliothèques. Souvent, quand je me rends dans une bibliothèque, je vois, alors je parle des très petites, hein, voilà, on est sur des échelles de petites bibliothèques, je vois plutôt un club d'amateurs de livres, quoi. Et puis je me dis par moment, bah finalement, c'est peut-être ça la logique. Restons sur cette logique de club d'amateurs de livres, mais étendons-le à toute la population susceptible de fréquenter la bibliothèque, quoi. Restons sur l'idée du club. Faisons un community hub, comme on pourrait en trouver ailleurs. Et voilà. Et façons un peu la frontière entre utilisateurs et bénévoles dans les toutes petites communes. Voilà. Et puis pour finir, je voudrais dire que la clé souvent pour qu'on avance, parce que voilà, je vous ai pas parlé de ce qu'on faisait pour monter des réseaux intercommunaux, pour développer certaines actions, etc. Mais là où ça marche, c'est quand les élus sont impliqués, bien évidemment. Et c'est vraiment les élus la clé de tout, à mon avis. C'est eux qui tranchent, c'est eux qui gardent le cap et c'est eux qui donne la légitimité des décisions, et on retombe sur l'idée de la légitimité, donc la boucle est bouclée, c'est bien ça. Voilà. Merci. Pour le fond comme pour le respect des délais, on peut prendre 5 minutes d'échange. Questions, propositions, réactions. Sinon, ça peut venir plus tard, puisque... Ah oui. Oui, bonjour, Xavier Gallo, donc BDPiste, hautement intéressé. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur la notion de maison des bibliothécaires? Voilà, ça, c'est un concept qui je trouve très juste, très judicieux, on y réfléchit aussi. Comment, de votre côté, vous avez pensé à ça? En fait, c'est... c'est à la fois des outils simples et puis c'est une façon de parler de façon assez attrayante de notre projet. C'était une façon un peu de vendre notre projet de restructuration, extension de la BDP. Il s'est trouvé que dans les travaux préparatoires à cette petite extension et principalement réorganisation des locaux, un espace à l'étage s'est trouvé libéré où on ne pouvait pas faire de traitement documentaire, on ne pouvait pas faire tout ce qui était chaîne du livre traditionnel. Donc on s'est dit, on a un espace, qu'est-ce qu'on en fait? Ça serait peut-être l'occasion justement de développer un peu plus de services sur place. On est une BDP où il n'y a pas d'annexe et où le local est assez petit. Et où, effectivement, dans un certain nombre de cas, les bénévoles, certains viennent, certains ont pris l'habitude de venir. Il y a déjà des bibliothécaires professionnels ou bénévoles pour qui la BDP, c'est la maison des bibliothécaires. Et donc, on voulait finalement formaliser ça et l'officialiser. Donc, ça prendra la forme d'un espace modulable dans lequel on pourra faire des formations en séparant la salle. On y mettra... en situation, les outils d'animation qu'aujourd'hui on stocke dans les couloirs et qu'on n'a pas l'occasion d'ouvrir. Voilà, on pourra ouvrir les malles, déployer les outils. On pourra proposer nos outils numériques comme la quasi-totalité des BDP. On achète des tablettes, on achète des liseuses, on pourra les mettre à disposition. On pourra mettre le fonds professionnel. Et puis il faudra qu'on invente aussi comment faire fonctionner ce lieu. On pourra faire des expos. Pourquoi pas des concerts, puisqu'on est dans une zone industrielle, on va gêner personne. Enfin voilà, essayer de faire vivre le lieu BDP de façon un peu différente, en rejoignant nos préoccupations en matière d'action culturelle, qui,
sont invasives et prennent de plus en plus de place. Voilà, voilà le projet tel qu'il se dessine, quoi. Oui, une question au fond encore. Bonjour, je suis Claudie Guérin. Je coordonne les médiathèques des patients et des personnels à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et en fait, on a la chance d'avoir 20 médiathèques dans des établissements, 20 médiathèques gérées par des bibliothécaires, dont c'est le métier, qui des fois viennent d'ailleurs des bibliothèques municipales, donc qui fonctionnent comme bibliothèques municipales. Et dans les 17 autres établissements, puisqu'à l'assistance publique, il y a 37 hôpitaux, dans 17 autres établissements, nous avons des bénévoles dans donc ce que j'appelle moi des points lecture. Et j'aurais aimé savoir, parce que je ne sais pas bien, au niveau des BDP, comment ces bénévoles sont organisés. Est-ce qu'ils sont en association? Parce que, par exemple, souvent à l'hôpital, les bénévoles sont organisés autour d'associations, et en particulier à l'assistance publique hôpitaux de Paris, beaucoup de bénévoles sont rattachés à l'association Culture et Bibliothèque pour tous. Et je m'interrogeais sur, dans les petites villes, comment ces bénévoles sont structurés. Là, on ne pourra pas faire de réponse globale. Pierre-Yves peut parler pour le Maine-et-Loire. Moi, je pourrais faire état de choses qu'on observe au niveau de la DBDP, un peu des statistiques qui remontent. Mais ça ne sera pas forcément très précis, en tout cas pas exhaustif. Bah, très rapidement et très localement, tous les cas sont possibles. Ce qu'on promeut, nous, lorsque c'est possible, c'est que les bénévoles s'organisent en association. C'est plus simple dans la relation entre la commune et les bénévoles. Si les bénévoles sont flottants, je dirais, moi je ne sais pas très bien comment gérer ça, quoi. C'est compliqué, donc, mais c'est souvent le cas. Enfin, je ne sais pas si c'est souvent, je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, on encourage l'organisation en association, voire en association intercommunale. Ça arrive dans quelques communautés de communes où tous les bénévoles de toutes les bibliothèques sont regroupés dans une seule association, mais c'est rare. Oui, le micro arrive. Il y a eu historiquement aussi beaucoup d'associations, des amis, ou enfin avec des noms variables, mais qui regroupaient effectivement les bénévoles, mais qui étaient souvent à l'initiative des bibliothèques départementales et qui étaient un peu, on dira, l'outil ou le bras armé de la BDP. Mais à l'heure actuelle, c'est quasiment disparu comme pratique, et les associations locales sont souvent à vocation multiple, c'est-à-dire que l'association a en son sein un groupe qui s'occupe de la bibliothèque, mais peut aussi pratiquer d'autres activités, parce que les associations sont aussi le lieu du lien dans les villages, dans les zones rurales, etc. Donc l'association n'est pas nécessairement montée uniquement pour organiser le travail des bénévoles. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, Viviane Olivier, BDP de la Creuse. Juste pour réagir, pour dire que les pratiques sont très différentes, nous sommes un tout petit département par rapport au Maine-et-Loire, et on a 350 bénévoles, mais pour une population de 120 000 habitants et, mettons, 120 bibliothèques. Nous, au contraire, on encourage, on promeut auprès des maires qu'il n'est absolument pas nécessaire de faire une association. Parce que pour nous, l'association, c'est... Ou alors, il faut une association avec une délégation, une convention entre la mairie et l'association, ce qui est très difficile à mettre en place, de notre point de vue. Et en fait, les mairies désignent des équipes de bénévoles en conseil municipal. Donc, c'est tout à fait officiel. Et ça permet, au contraire, d'officialiser ce lien et de dire que les bénévoles sont en service public, c'est-à-dire qu'ils sont volontaires, justement, et qu'ils sont un engagement par rapport à la commune, et ça permet d'éviter ce côté « Ah ben aujourd'hui, j'ai pas envie, là, ça va pas être possible », et ils sont vraiment dans un engagement. Ce qui a permis de renouveler beaucoup les bénévoles aussi, parce que du même coup, ceux qui étaient dans une logique un peu de club, ou etc., se sont retirés, et d'autres bénévoles ont émergé. Alors, ça veut pas dire qu'il y a du turnover, mais ça permet plus facilement d'amener aussi la formation derrière, d'essayer de d'amener une obligation, entre guillemets, hein, parce qu'on ne va jamais jusqu'à la coercition, évidemment. Donc, moi, ça me paraît très important, au contraire, de dissocier les associations. Et quand il y a des associations, ça reste des associations d'amis de la bibliothèque, par exemple, qui vont porter des actions d'animation, des choses comme ça, mais dans un lien le plus souvent possible conventionné pour que ça reste, que chacun reste à sa place. Voilà. Oui. Donc effectivement, la formule d'agent du service public non salarié. Oui, je crois que c'est très important. De toute façon, la contractualisation
apparaît indispensable dans tous les cas de figure. Même si elle n'est pas réalisée partout, elle gagne du terrain parce qu'elle apparaît nécessaire aussi bien aux bénévoles qu'aux salariés, qu'aux collectivités. Je pense qu'on va pouvoir passer la parole maintenant à notre duo qui a organisé une présentation à deux voix. Et il y aura certainement encore un temps d'échange après. Les délais sont respectés et nous déborderons un peu puisque nous avons démarré un peu en retard. Bonjour. Alors, donc je suis Gildas Carillo, le responsable de la médiathèque de Saint-Thomas-du-Pavail, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Et je suis accompagné de Corinne Chanvry, qui est l'une des bénévoles de l'équipe de Saint-Thomas. Je vais essayer de faire synthétique, puisqu'on est un duo. Je vais essayer de ne pas trop prendre la parole et de la laisser à ma collègue. Et essayer d'être synthétique pour vous permettre d'intervenir à la fin. Plus à la fin de la journée, vous devez être fatigué. C'est dur, etc. Donc voilà. Donc je vais très rapidement vous présenter le contexte dans lequel on travaille. Et puis on va en venir au fait très rapidement. Ensuite, je vous laisserai intervenir, évidemment. Hop. Donc notre commune, c'est un tout petit village. On est moins de 800 habitants. Et donc on a une auberge, une boulangerie, 12 associations pour vous présenter le topo. Et on fait partie d'un réseau, on a intégré un réseau de 7 communes. Alors, donc le bâtiment, c'est un bâtiment qui a été inauguré fin 2011, qui fait 160 mètres carrés. Donc une toute petite médiathèque pour beaucoup, mais une très grande médiathèque à l'échelle de notre village. Hop. Donc la médiathèque, on l'a bâtie avec un... Enfin, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais avec un fonctionnement de type troisième lieu. Donc maintenant, je peux dire que c'est une médiathèque troisième lieu, même si quand on a conçu le projet, je ne connaissais pas encore ce concept. Et donc, on a souhaité qu'il ait évidemment une large amplitude d'ouverture d'horaire au public. C'était essentiel pour nous, puisqu'on est le seul lieu public avec la mairie du village. Donc on ouvre 14 heures dans la semaine en moyenne, et puis on passe à 23 heures dès qu'on est en période de vacances scolaires. En ouverture, évidemment, tout ce dont je vais vous parler maintenant ne concerne que le projet et la médiathèque de Saint-Thomas. Je n'ai pas pour vocation de parler du bénévolat en général. Moi, on parle que de notre expérience de terrain. Et évidemment, si on peut ouvrir autant, c'est grâce à l'équipe de bénévoles avec laquelle je travaille. Là, les chiffres, ensuite, c'est un peu pour crâner. Hein, c'est pour ne pas montrer qu'on a augmenté nos taux d'adhérents et d'emprunteurs. Donc aujourd'hui, on est autour de 50% de la population. C'est toujours pareil, vous verrez un peu plus tard, c'est aussi grâce au rôle des bénévoles. Et pour faire très vite, donc je suis le professionnel, le seul de la structure, à temps plein depuis l'ouverture de la médiathèque en fin 2011. Très rapidement, en fait, il faut vous dire que sur le petit village sur lequel je travaille, il y avait une médiathèque qui était, comme beaucoup de petites communes, entièrement gérée et animée par des bénévoles. Cette petite bibliothèque existait depuis 35 ans. Moi, je suis en poste depuis à peu près 8 ans. Et quand je suis arrivé, en fait, ça faisait quelques années que la bibliothèque qui était gérée par des bénévoles s'essoufflait et donc était à la limite de fermer. Et donc, pour plein de raisons que je vais vous passer ici, il a été choisi d'embaucher une personne à mi-temps au début, qui n'était pas moi, qui est rapidement parti au bout d'un an et demi, auquel j'ai succédé. Et puis rapidement, après, le projet de la nouvelle médiathèque s'est fait, etc., etc. Alors, on en vient au sujet d'aujourd'hui. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait très, très, très peu de bénévoles. Il y en avait deux, pour ainsi dire. Donc il a fallu concevoir une équipe, puisque donc rapidement, le projet de la nouvelle médiathèque a germé en 2008. Donc il a fallu trouver des bénévoles. Les attirer aussi, hein, c'est ce que je viens de parler, c'est de susciter le bénévolat, c'est très important. Et puis après, évidemment, les former, et vous allez voir après aussi, définir des tâches et des rôles
pour chacun, en fonction de ce qu'ils souhaitaient eux aussi. Donc aujourd'hui, on est, c'est la première partie de mon petit exposé. Donc il y a un professionnel, moi-même, il y a 19 bénévoles. Donc je dis toujours, c'est un équilibre délicat, mais pour un fonctionnement original et humain au service des usagers. Pour vous faire la typologie un petit peu de l'équipe, donc c'est une équipe vraiment intergénérationnelle. La moyenne d'âge, c'est 40 ans, donc de 22 à 65 ans. Et ça, par contre, on n'est pas vraiment originaux, il y a 90% de femmes. Donc voilà, là-dessus. Et les profils sont très éclectiques, puisque la majorité sont des actifs. On a très peu de personnes au foyer ou retraitées. Donc on va dire que 80% de dans l'équipe de bénévoles travaillent, en général dans les professions du social, dans l'enseignement, un peu dans le privé. Et on a aussi quelques cas de bénévoles qui ne sont pas de la commune, qui ont choisi de s'impliquer pour plein d'autres raisons. Les implications, elles sont différentes, parce que certains souhaitent s'investir sur un temps, on va dire, assez élevé, d'autres très peu pour des raisons familiales ou professionnelles. Certains donc passionnés donnent beaucoup de leur temps. Il en est de même pour les notions techniques. Certains veulent faire des tâches assez simples, que vous connaissez du bénévolat, on va dire, classique, entre guillemets, c'est-à-dire du pré-retour, de l'accueil. D'autres vont avoir des envies beaucoup plus poussées. Par contre, ce qui relie toute notre équipe, je crois, c'est vraiment l'envie de s'impliquer dans l'équipe de bénévoles, surtout pour des raisons humaines, on va dire, pour des raisons de convivialité, de créer du lien social, et que notre médiathèque devienne un peu un lieu de rencontre dans le village. Ça, c'est une qualité qu'on retrouve dans toute l'équipe. Leur motivation, là, c'est après, je vais passer la parole à Corinne. Je pense qu'elles sont d'ordre culturel, c'est-à-dire qu'elles sont attirées pour travailler dans un bâtiment socioculturel. Elles sont aussi séduites par le fonctionnement qu'on a mis en place, c'est-à-dire un fonctionnement qui est, donc comme je disais, troisième lieu, donc très axé sur l'action culturelle et sur des événements, hormis le fonctionnement classique de la bibliothèque. Certains viennent aussi dans l'optique d'une orientation, d'une réorientation professionnelle. Voilà. D'autres aussi viennent pour la rencontre, pour cette dynamique d'équipe qu'on a créée sur le village. Et c'est là qu'en duo, je vais passer la parole à Corinne. Bonsoir, Corinne Chanvry. Je suis bénévole au sein de la médiathèque depuis 7 ans. Donc presque 3 ans auprès de la médiathèque Phileas Fogg et 4 ans dans l'ancienne médiathèque. Moi, j'ai été recrutée en tant que bénévole, en fait, un peu par le bouche à oreille, parce que j'étais usagée de la médiathèque avec mes enfants. Et puis, le fait de voir sympathiser avec Gildas, avec d'autres bénévoles, m'a donné envie de m'impliquer. J'adore la lecture, j'adore les livres. J'en ai toujours un dans mon sac. J'en ai 15 sur ma table de nuit. Donc, j'ai toujours été très attirée par la lecture. Voilà. J'ai un parcours associatif assez fourni, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours fait partie d'une association en tant que bénévole. Alors, au sein de la médiathèque Phileas Fogg, mes fonctions sont, j'ai envie de dire, des fonctions de bibliothécaire. C'est-à-dire que j'occupe des fonctions d'accueil. Enfin, je me sens impliquée dans l'accueil du public, dans l'accueil de classe également, des fonctions de conseil lorsque les gens me posent une question, ont besoin de conseils, je suis là pour les orienter dans leur choix s'ils en ont besoin. Je me sens impliquée aussi dans la participation par exemple à la mise en place d'ateliers, d'expositions, également du cadre d'échange avec la médiathèque départementale. Au niveau du métier de bibliothécaire, je fais tout ce qui concerne le pré-retour, l'équipement de documents, bulletinage, catalogage, toutes ces choses-là. J'ai été impliquée aussi dans le projet de la nouvelle médiathèque. Gildas nous a toujours tenu au courant, toute son équipe de bénévoles, de l'évolution de ce projet. J'ai également participé avec les autres bénévoles au déménagement, l'emménagement dans la nouvelle médiathèque.
Alors, je voudrais vous parler maintenant de mon implication. Pourquoi cette implication? Je pense qu'elle repose avant tout sur la confiance. Gildas accorde beaucoup de confiance à son équipe de bénévoles et il me semble que c'est pour cette raison qu'elle est aussi importante. 19 bénévoles, ça n'est pas négligeable. Donc la grande confiance, donc là je me place du côté de Gildas, j'ai l'impression qu'il a la volonté d'impliquer chaque bénévole en respectant ses préférences. Il y a des bénévoles qui n'aiment pas, par exemple, couvrir des livres, et bien du coup, ils ne le font pas. Il a une volonté également de proposer à chacun les formations dispensées proposées par la médiathèque départementale. Donc nous avons la possibilité de nous former. Au sein de la médiathèque de Saint-Aubin-du-Pavail également, lorsque un nouveau bénévole surgit, ou une nouvelle bénévole, j'ai envie de dire, il se passe un tutorat entre ce nouveau bénévole et puis les anciens bénévoles. Donc jamais un nouveau bénévole ne fera une permanence seul. Donc il sera encadré par d'autres bénévoles qui viendront lui apporter leur expérience et puis les clés du bénévolat. Pour une meilleure intégration au sein de l'équipe, au service des usagers. Également, j'ai envie de parler d'un souci de cohésion de l'équipe. Et puis tout ceci dans le but d'apporter le meilleur au service public. Très bien. Merci, parce que c'est pas facile de prendre la parole, de se retrouver à Paris, voilà, devant le public. Donc, merci Corinne. Donc je vais reprendre. Alors, je vais très rapidement donc vous décrire j'ai défini un peu un profil de bénévolat chez nous, puisqu'il y en a plusieurs, comme vous l'a expliqué Corinne. Donc comme je vous l'ai dit, on a une programmation très riche, une amplitude horaire très large, en tout cas par rapport à la taille du village. Donc pour pouvoir mettre en place tout le fonctionnement que je souhaitais avec les élus, il fallait qu'il y ait des bénévoles définis sur différentes tâches. Donc en fait, j'ai défini 4 profils. Hop, non, c'est pas cela, pardon. Voilà. Donc il y a le bénévole, comme je disais, classique, le bénévole bibliothécaire, que vous connaissez tous. Après, il y a le bénévole animateur, donc c'est celui qui crée, qui anime et qui gère des ateliers au sein de la médiathèque. Corinne en fait partie. Il y a des bénévoles que j'ai eu du mal à nommer, mais j'ai appelé un peu communication événementielle, c'est-à-dire que j'ai des bénévoles dans l'équipe qui vont m'aider sur les actions de communication, que ça passe par les outils de technologie que vous connaissez. Ça passe aussi par des propositions d'actions de communication qu'ils me proposent. Je n'ai pas la science infuse, donc ils complètent mon savoir mes idées. Et puis aussi, certains m'aident énormément à mettre en place certaines actions culturelles. Là, on ne parle pas des ateliers, mais là, je pense par exemple à des rencontres d'auteurs, à des expositions, à des débats. Lorsqu'on accueille une compagnie d'artistes aussi, que ce soit une création théâtrale, du mime et du clown, des choses comme ça qu'on a fait. Récemment, on a fait aussi de la sérigraphie, on a fait de la sculpture sur métal. Donc tout ça, tout seul, je ne pourrais pas gérer ce type d'animation seul. Donc je suis encadré par certains bénévoles là-dessus. Et puis en fait, pour finir, il y a le bénévole multi-compétences. Ça s'approche du bénévole de compétences, j'ai déjà entendu dans certains débats, ou du bénévole professionnel quasiment. C'est-à-dire qu'il rassemble tous les profils que je vous ai cités avant. Corinne en fait partie, donc c'est la super bénévole. Donc voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Il a fallu plusieurs années avant qu'on arrive à tous ces types de bénévolat, on va dire, qui complètent moi mon travail de professionnel, de salarié. Alors là, c'est vite fait un petit chiffrage par rapport aux 19 bénévoles. Eh ben, on en retrouve certains dans plusieurs catégories. Hein. Donc ça définit à peu près le nombre qui agissent à la médiathèque. Vous voyez, il y en a un peu dans tous les milieux, surtout des bénévoles bibliothécaires, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, d'être un bénévole, comme je disais, animateur, un bénévole qui va créer une animation, qui va la gérer, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés comme ça en disant « je veux faire une animation, je l'ai préparée, j'y vais, je commence à quelle heure, on fait comment ?» Souvent, il y a un peu de timidité, d'impréhension. Il y a une envie, par contre, qui est là. Donc, c'est plutôt à moi de la cadrer, de l'aider au niveau de la logistique, au niveau aussi de la communication, de l'action, et puis aussi de la soutenir, aussi de la former sur certains domaines. Le premier exemple qui me vient en tête,
pour citer une autre bénévole qui n'est pas là, c'est une personne qui, dès le début de la création de ce nouveau type de poste bénévole, on va dire, sur la médiathèque, était très attirée par le loisir créatif et par le fait de travailler avec des enfants. Mais par contre, il y avait une petite appréhension au début. Je ne sais pas si je vais savoir le faire, comment je vais le faire, etc. Donc mon rôle, ça a été de la rassurer, de lui donner des outils, de l'aider au niveau logistique, lui trouver l'endroit où elle allait le faire dans la médiathèque, un peu de finance pour acheter les outils, voilà. Et puis après aussi trouver son public. Et maintenant, l'activité de loisirs créatifs, qui est gérée par cette personne, qui ne fait que ça au sein de la médiathèque. Hein. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a des bénévoles qui ne sont que bénévoles animateurs, hein, qui ne vont pas te faire de pré-retour, mais qui s'inscrivent complètement dans l'équipe. Et ben, ça existe depuis maintenant, avant la nouvelle médiathèque, depuis 4-5 ans. Ça a lieu tous les 15 jours pour les enfants, et c'est complet tout le temps. On passe notre temps à refuser du monde. Donc, et d'autres ateliers se sont créés comme ça au fil du temps. Alors, pour faire... attendez, je vais vous mettre... Sinon, le diaporama a tourné. Là. Voilà. Donc, j'espère qu'il va tourner tout seul, parce que le reste, je ne vais pas pouvoir appuyer à chaque fois. Donc, du coup, comment susciter le bénévolat? Alors, pour trouver 19 bénévoles, qui s'impliquent ou non à des échelles différentes, pareil, ça ne s'est pas fait en un jour. Donc il a fallu, je pense que, comme je vous disais, il y a le travail d'équipe qui les a attirés. Tous les projets originaux qu'on a faits, puisque quand on touche à la sérigraphie, pour les projets les plus récents, ou la sculpture sur métal, on a fait un partenariat aussi avec un festival de cirque contemporain, récemment. Et ben, il y a tous ces nouveaux domaines qui les attirent, ces nouvelles connaissances. Donc ça fait venir les gens vers nous, qui nous proposent du coup leur service. Alors, ce n'est pas aussi mon propos aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a aussi des usagers du coup qui viennent chez nous proposer de temps à autre d'intervenir. Alors là, pas de s'inscrire dans l'équipe de bénévoles, mais de proposer une action sur un temps court par rapport à une passion qu'elle a, par rapport à sa profession, etc. etc. Je vais faire très vite parce que je vois que le temps défile. Gérer cette équipe de bénévoles aussi. Donc, étant seul, ayant 19 bénévoles, c'est pas toujours simple. Mais en fait, il faut donc être un peu organisé. Donc, ça passe par des plannings que vous connaissez tous. Il faut savoir aussi, c'est moins le cas maintenant, mais on a eu des passages difficiles. Donc, savoir un peu faire de la gestion du conflit, on va dire. Et puis, moi, en tant que professionnel, être énormément à l'écoute de son équipe. Comme ils le sont aussi avec moi, c'est-à-dire que c'est vraiment un dialogue permanent, c'est vraiment de la démocratie participative, c'est à la mode, mais nous on le fait, et c'est un vrai travail collaboratif. Donc quand on parle de coworking, c'est un bel anglicisme, mais chez nous, je pense que ça existe vraiment. On m'a demandé récemment aussi si on avait une charte de bénévoles, on en a une. Chaque bénévole signe un document que vous trouvez, que vous connaissez aussi pour la plupart, une charte d'engagement à l'année. Quand je reçois les bénévoles aussi au niveau de la formation, ça passe d'abord par un échange de savoir, Corinne en a un peu parlé, entre les membres de l'équipe et moi. Donc il y a d'abord une première base de formation avec moi sur le socle assez classique. Ensuite, il va y avoir des binômes de créer avec le nouveau bénévole, que ce soit sur des actions d'ailleurs de bibliothéconomie, mais sur d'autres actions aussi d'animation, etc. Et puis après, il y a la médiathèque départementale qui nous soutient évidemment au niveau de ces formations. Et puis après, comme on en a certains, c'est arrivé depuis tous les ans, d'ailleurs maintenant ça arrive, il y a des gens qui veulent complètement maintenant s'impliquer dans le projet et tellement qu'ils veulent devenir professionnels, donc ils vont suivre des cursus de formation professionnelle. C'est le cas aussi de Corinne qui depuis maintenant 2 ans, je crois, travaille dans une médiathèque du réseau, pas la nôtre, puisqu'elle reste bénévole chez nous, mais qui travaille professionnellement quelques heures par semaine dans une autre commune. Moi, avec les bénévoles, j'insiste juste sur un point où je suis là à transition. Je pense être relativement pas trop chiant sur le reste, pas une telle expression, mais c'est sur l'accueil. Parce que j'estime que pour un lieu de service public, pour un lieu comme le nôtre dans un tout petit village, l'accueil est essentiel. Bien recevoir, bien conseiller. On est un tout petit lieu. Il faut que les gens soient à l'aise. Il faut que les gens aient envie de rester. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis moi donné, que les gens restent dans la médiathèque, puissent prendre plaisir. Donc l'accueil est extrêmement important. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis celles qui se sentent pas à leur place au niveau de l'accueil font comme disait Corinne, vont faire du catalogage ou faire de la préparation de documents en arrière du bâtiment. Je vais finir
parce qu'il... Voilà, ça c'est des bons mots, mais le cœur de notre projet, c'est vraiment l'humain. Donc la relation humaine, elle est vraiment au cœur de notre projet de médiathèque, du bénévolat aussi, mais même vraiment au cœur du projet de la médiathèque. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pas trop mal et que les gens continuent d'affluer. C'est qu'on nous dit chez nous, voilà, on se sent comme à la maison, on se sent bien. On a une très belle médiathèque à côté, à 3 km, de 1200 m² avec une grosse équipe qui fonctionne un peu comme la nôtre, mais qui est très, très, très belle, qui est sur plusieurs étages, qui est peut-être plus impressionnante. Et là, les gens y vont parce qu'ils ont un choix de documents, évidemment, énorme, etc. Mais ils viennent en même temps chez nous, ils font l'effort, les gens de cette commune-là, de venir chez nous parce qu'ils se posent, c'est tranquille, on boit un café, on boit un thé, on discute, et voilà. Et voilà, je vais finir là-dessus. J'ai pas réussi à faire tourner mon diaporama. Voilà. Alors, je suis pas un piètre élève en nouvelles technologies, hein. C'est juste que j'utilise pas PowerPoint normalement. Je suis désolé. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je voudrais juste faire une petite conclusion. En fait, Gildas m'a présenté comme une bénévole multicompétence. Effectivement, en fait, je suis une ancienne enseignante et j'anime. Je prends des élèves en aide aux devoirs, donc c'est un atelier d'aide aux devoirs qui se passe à la médiathèque la plupart du temps. Et en contrepartie, la mairie me demande de participer à l'animation, enfin la prise en charge d'ateliers culturels. Donc voilà. Et pour moi, être bénévole, c'est d'abord me familiariser avec un public différent de celui que je connaissais auparavant, c'est-à-dire des enfants de maternelle. Être bénévole, ça m'a permis aussi de maîtriser le logiciel des médiathèques et de ce fait-là, grâce à l'appui de Gildas, de pouvoir postuler dans une médiathèque pour un remplacement que j'effectue depuis novembre 2012. Voilà. On a encore quelques minutes devant nous. Si vous voulez réagir, poser des questions, intervenir... pendant que le diaporama défile, sauf si la séance de cinéma vous convient. Bonjour. J'aimerais savoir le nombre d'heures effectuées par les bénévoles, par un bénévole. Alors, on a essayé de faire une moyenne, c'est pas facile. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire et les chiffres, ça prend plein de temps, les calculs. Mais en gros, 14 heures par semaine, on va dire. Enfin, l'équipe de bénévoles intervient 14 heures par semaine. Après, chacun, c'est très dur de quantifier. On va avoir des bénévoles qui vont pouvoir s'impliquer que 5-6 heures dans le mois, et puis d'autres qui vont s'impliquer des dizaines et des dizaines d'heures. Donc c'est très variable en fait. Et on a une équipe qui se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un socle un peu commun, on va dire, de bénévoles qui sont là depuis des années, mais l'équipe, tous les ans, va se renouveler. C'est-à-dire qu'on va avoir des départs pour X raisons. On va dire que c'est souvent des raisons professionnelles, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, sont essentiellement actifs. Il y a beaucoup de jeunes aussi donc, qui ont fini leurs études, qui vont commencer un boulot. Donc, on a des nouveaux bénévoles qui arrivent tous les ans. Donc, c'est un peu dur aussi de quantifier tout ça. Oui, tout à l'heure, donc, Corinne, vous avez utilisé un mot qui était très intéressant, à mon sens. Vous avez dit « j'ai été recruté ». Donc, du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et aussi, donc, Yann, sur la notion de volontaire, qui n'est pas la même tout à fait que bénévole. Et donc, justement, je voulais savoir, Gildas, si vous recrutez vraiment donc, vos bénévoles, parce que je trouve que cette notion est très intéressante, justement. Alors, oui, c'est vrai que c'est un mot que j'ai des fois utilisé comme ça en expliquant le projet, qui peut choquer. À travers je suis un assez jeune bibliothécaire, on va dire, donc j'ai 8 ans de pratique, je faisais autre chose avant. Et j'ai remarqué en me baladant avant, en apprenant le métier, que le bénévolat, les profils de bénévoles étaient très disparates. Hein, et que, il y avait des équipes en fait qui n'étaient pas séduisantes, on va dire, en termes d'accueil public, etc. Donc je me suis dit, il faut procéder un peu comme un recrutement, en étant un peu plus light quand même dans le recrutement. Je ne me suis pas fait PDG, je suis tout seul en plus. Mais c'est-à-dire qu'il fallait choisir vraiment des personnes qui aient envie de travailler avec nous, qui aient envie de travailler avec les gens, surtout. Donc ça passait par tout un questionnement, un entretien, des fois deux entretiens, trois entretiens, pour savoir ce que le bénévole recherchait, ce qu'il souhaitait, et si ça correspondait un peu à ce qu'on voulait faire. Et puis aussi, surtout, qu'il s'intègre dans l'équipe, parce que le but, c'est un travail d'équipe. On est vraiment une équipe soudée, donc c'est pour ça que je dis que c'est un équilibre délicat. Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne plus d'ascendant que l'autre. Quand je parle de recrutement, c'est un peu ça. Et puis aussi savoir les compétences de chacun. Hormis ce qu'il a envie de faire à la médiathèque, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi son travail, qu'est-ce qu'il passionne. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
On pourrait aussi imaginer l'usage d'autres termes comme cooptation ou adhésion. Je pense que ça se situe dans cette sphère-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose un petit mot de conclusion avant de nous quitter. Je crois que en commençant avec l'exemple des bibliothèques anglaises qui vivent une situation, comme vous l'avez vu, dramatique, Yann nous a effectivement montré que les bénévoles remplacent les professionnels dans un nombre impressionnant de bibliothèques. Je crois que nous sommes dans une configuration en France où la construction du rapport entre professionnels et bénévoles est vraiment pensée dans une complémentarité, ou en tout cas devrait l'être de plus en plus et de mieux en mieux. Et que la légitimité n'est pas en cause, mais par contre elle peut encore croître en compétence, et qu'il me semble qu'il y a encore un champ très, très ouvert sur le repérage des compétences chez les bénévoles. Les profils sont intéressants, de voir qu'il y a des profils multi-compétences. On parle souvent de personnes ressources. Les personnes ressources, quand on fait de l'action culturelle ou de la formation, on les cherche souvent dans les réseaux professionnels, et que dans les réseaux des bénévoles, on découvre fréquemment que les ressources existent, et qu'elles existent même très souvent à proximité de nos établissements. Que le fait d'inviter des bénévoles à participer à la vie de la bibliothèque en étant totalement déconnecté des enjeux bibliothéconomiques, du prêt, de la collection, des choses du fonctionnement ordinaire, mais de bénéficier ou faire bénéficier de compétences autres qui tiennent aux métiers, aux activités, aux engagements, j'ai lu quelque part, aux enthousiasmes aussi des bénévoles, c'est une façon aussi de travailler, même si la notion de troisième lieu a été pensé au départ sur des établissements de grande taille, etc. Il me semble que la notion du troisième lieu est totalement indépendante, en fait, du bâtiment, de sa structure. Elle se construit complètement dans la relation entre ceux qui font vivre un lieu, bénévoles ou salariés, et les publics qui les fréquentent. Voilà. Pour ceux que ça intéresserait, les prochaines rencontres de l'ADBDP, les journées annuelles, seront le 29, 30 septembre et 1er octobre à Montbrison dans la Loire. Et entre autres thèmes, on traitera aussi, et Gildas reviendra, mais pour présenter non plus le côté travail avec les bénévoles, mais sera un des intervenants sur la bibliothèque lieu de vie, troisième lieu, et la bibliothèque créatrice de liens sociaux. Et je crois qu'on a un lien évident à partir de la relation professionnelle-bénévole sur cette nécessité de faire que nos bibliothèques soient de plus en plus des lieux de liens sociaux. Voilà, je vous propose ce mot de la fin, et puis je vous souhaite un excellent congrès, et on continuera de se croiser dans les deux jours qui viennent. Bonne soirée.